Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui on va faire le tirage général. On va regarder est-ce qu'il va revenir. Et si vous ne connaissez pas encore, je fais le tarot depuis 8 ans et j'enseigne comment tirer les cartes depuis aussi 8 ans. Parce que je suis tarologue certifié avec plusieurs certificats d'études et aussi je suis psychologue diplômée avec degré de MBA. Et pendant mes consultations, pendant les consultations de tarot, on peut regarder comment la situation sera déroulée et aussi pendant les consultations psychologiques, on peut changer votre réalité, parce que c'est juste votre cerveau qui forme votre réalité. Si vous changez les programmes dans votre tête, et je sais comment le faire avec les méthodes scientifiques et très efficaces, vous pouvez changer votre réalité. Vous pouvez avoir le travail que vous voulez, vous pouvez être dans les relations saines et aussi, par exemple, avoir la maison que vous voulez, gagner comme vous voulez. Changez votre vie totalement. Ce sont juste vos programmes. Donc, si vous voulez savoir plus, vous pouvez me poser des questions sur mon WhatsApp ou commander les consultations sur mon site. Donc, et on va commencer à regarder. Donc, s'il va revenir, on va faire quatre cartes. Première carte, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Choisissez et on va regarder ensemble s'il va revenir. Choisissez il ou elle aussi. Et si vous voulez aussi regarder votre situation, il y a le tirage spécial qui s'appelle S'il va revenir. Je vais laisser le lien au-dessous de cette vidéo où je fais le tirage spécialement pour vous. Et je regarde tous les détails de votre situation. Ou il y a aussi les consultations en ligne, où en ligne on peut discuter et on peut regarder avec vous tout de suite vos questions. Donc, première carte. S'il va revenir. Oui, il va revenir ici, mais ce sera pas si vite. Parce que ici, vous attendez, vous êtes un peu triste, mais après, vous prendrez les décisions, ce que quand même, il vaut mieux de quand même travailler, de s'occuper avec vos intérêts, développer vos hobbies ici. Et développer votre travail. Et après, quand même, quand vous vous sentez tellement libre, déjà tellement indépendant de votre passé, là, il revient. Là, il vous voit et il comprend que, oui, je veux être avec cette femme. Cette femme me manque. Et donc, il se sent vraiment comme débile ici. Il se sent inutile. Et en ce moment-là, elle commence à se montrer comme, regarde, je suis le plus intelligent, le plus fort, regarde, choisis-moi. Donc ici, oui, il va revenir, mais pour quand même, quel but de ce qu'elle va revenir? Quel but? Ici, il va vous manquer quand même. Vous lui manquerez, désolé. Vous lui manquerez ici. Parce que quand même, le passé que vous avez eu ensemble, il ne peut pas oublier. Et quand même ici, de temps en temps, il quand même pense par rapport à vous. Et c'est pour ça, il voudrait quand même encore se sentir utile, encore se sentir aimé. Quel est le résultat ici?
Vous savez, ici, quand même, oui, il y a les possibilités vraiment pour construire les relations stables et durables avec lui. Vraiment, il y a les possibilités du mariage et de construction de la vie conjugale. Ici, vraiment, il y a les possibilités. Par contre, ici, ça ne sera pas le lendemain. Ici, quand même, ça prend longtemps parce que ici, il y a beaucoup de changements que vous devriez passer. Et quand même, ici, ça montre que oh, ça peut prendre quand même pas mal de temps. On va regarder quand même environ quand ce sera. Oh, minimum 3 mois. Et ici, quand même, ça peut prendre même pour quelqu'un un an. Ici, c'est quand même le période assez long. Quand c'est pour vous dans cette situation. Un conseil pour vous, ne pas perdre le temps dans les réflexions, parce que si c'est comme vous pensez par rapport à lui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va faire. Non, ici, il faut penser à vous-même. Vous voyez, même la carte est tombée, comme il ne faut pas le faire. Il faut penser juste par rapport à vous-même, par rapport à votre bonheur et vos intérêts. Quand elle va revenir, là, vous pouvez déjà regarder s'il faut accepter ou pas. Donc, s'il va faire quelque chose ou pas, ou si ce sera juste les paroles. Donc, quand même regarder. Mais les possibilités d'être avec lui, vous avez vraiment. Donc, si vous voulez regarder plus en détail, ou aussi regarder qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va faire. Il y a aussi les tirages express. Je vais laisser le lien au-dessous de cette vidéo. Et comme ça, on peut regarder ensemble plus précisément. Deuxième carte. Oui, ici, il va revenir parce que le sentiment est là. Il ne peut pas vous oublier. C'est quand même. Il pense par rapport à vous ici tout le temps. Oui, ici il revient. Et même pour quelqu'un, ça peut être si vous êtes à distance, donc il va venir physiquement chez vous ici. Mais vous savez, ici, quand même, vous aurez un autre homme à ce moment-là. Et vous devriez faire votre choix. Quand même, parce qu'ici, il y a deux hommes pour vous. Quand il revient, ce sera quelqu'un d'autre à côté. Et vous devriez choisir. Et je pense pas que vous choisirez lui à la fin, parce que il y a quelqu'un d'autre, déjà, qui vous êtes, qui a déjà dans son soutien à vous, et quand même, vous pouvez juste regarder comme, bon, ok, tu es revenu, bravo, mais trop tard. Donc ici, quand même, s'il va revenir, c'est oui, mais ce sera déjà inutile pour vous. Oui, avec lui, ce sera terminé quand même. Je ne vois pas ce que relations seront continuées. Et c'est parce que vous choisirez un autre. Pas parce que lui, il ne revient pas. Parce que vous choisirez un autre homme. Mais quand même, elle va essayer de se battre pour vous parce qu'il ne pourrait pas accepter ce qu'il peut échouer ici. Quand même ici, il va essayer de faire des efforts pour d'être avec vous. Oui, il va se battre. Ce sera quelque chose d'intéressant. Mais vous savez, comme quand c'est aussi, comme dans la carte, la première carte ici, laissez les pensées de lui un peu ailleurs. Il ne faut pas envoyer l'énergie à quelqu'un qui ne vous appelle pas, qui s'intéresse pas si tout est bon avec vous, si vous avez votre frigo plein ou pas. Donc, il ne faut pas envoyer l'énergie et il faut garder cette énergie pour vos projets, pour réussir et pour avoir quelqu'un de mieux parce que vous aurez.
Et aussi comme conseil pour vous développer votre féminité, développer intuition aussi. Ici, il vaut mieux faire quelques pratiques énergétiques pour les femmes, si vous êtes une femme, bien sûr, pour développer, pour monter votre énergie, pour monter votre sexualité. Et là, comme ça, vous pouvez déjà tout tenir sous le contrôle. Et lui, un autre. Quand même, on va regarder quand elle va revenir. Bon, ici, les cartes ne montrent pas. Ici, c'est le diable. Le diable cache toujours les périodes. Donc, pour vous, pour l'instant, les cartes ne montrent pas les périodes. Mais quand même, déjà, comme on sait encore une fois pour vous, c'est que il vaut mieux s'occuper avec votre vie, d'être plus belle, devenir mieux. Et ne pas perdre le temps, votre énergie dans les pensées. Ici. Mais oui, il va revenir. Troisième carte, oui, ici, il va revenir. Il a déjà le désir à revenir. Il a planifié comment il va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, parce qu'il est trop déjà. Il se sent déjà trop seul. Et il comprend qu'il faut vous choisir. Parce que déjà. Il a dû déjà voir d'autres femmes et il comprend que non, il faut quand même choisir vous. Ici, où il va revenir. Et même s'il y a quelques blocages entre vous, ça peut être blocage, par exemple, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et si tout sera débloqué parce que quand même, il comprend que sans vous, il ne peut pas. Et, mais aussi, ça peut être pour vous, ça peut être comme s'il revient. Et après, il y a le dispute et après, il revient encore. Ici, cet homme, il est un peu comme, vous savez, comme il va prendre les décisions, mais quand même, ici, il y a la période quand il va encore éloigner et après, il va déjà revenir pour longtemps. Quel résultat? Vous savez, ici, quand même, vous devez construire les relations dans la manière ce qu'il doit faire quelque chose pour vous. Parce que si il vous apporte quelque chose, s'il vous aide, s'il commence à s'occuper de vous, à vous protéger, à vous aider à faire des cadeaux, c'est quand même quelque chose, pas même de temps en temps, mais assez souvent, peut-être chaque fois comme vous voyez, parce que ici, c'est un homme qui apporte quelque chose, qui s'investit. Là où il y a la possibilité, c'est que les relations seront stables et assez durables. Pour l'instant, je ne vois pas ce que ce sera le mariage, ça ne montre pas, mais quand même, la possibilité de construire les relations stables, vous avez. Mais pour celui-là, il doit vraiment faire des efforts pour d'être avec vous, d'investir son temps, son énergie et l'argent aussi, parce que c'est les ressources que les hommes peuvent vous donner. Parce que les femmes donnent aussi énergie féminine. On partage l'énergie comme ça. Parce que si c'est juste vous qui donnez, après vous perdrez dans l'argent et très fort. Parce que quand un homme fait rien du tout pour vous, et vous êtes toujours toute belle, toujours prête pour lui, vous perdez énormément de ressources. Et la santé, et aussi dans les finances, vous manquez les possibilités. Parce que vous juste donnez. Mais quand un homme aussi, dans sa manière, partage son énergie, l'énergie des hommes, c'est énergie financière dans ce cas. Donc, ici, tout est en stabilité. Et en plus, lui, il va gagner plus. Et vous gagnerez après plus. Et lui. Donc, il n'y a que de positif ici. En plus, vous serez ensemble. Donc, ici, quand même, si vous pouvez construire les relations dans cette manière, vous serez ensemble. Par contre,
Si vous l'acceptez juste comme ça, quand elle va venir pour vous raconter des histoires, ce que bien sûr on sera ensemble et je vais te construire la maison et les pirates m'ont volé et je ne pouvais pas t'écrire, mais bien sûr que tout sera bon. C'est juste que on doit passer la nuit ensemble. Bien sûr que vous partagez l'édition dans les restaurants. Donc ce sera quelques blabla et comment ce sera fini? Elle va partir encore et vous serez encore toute seule. Et vous perdrez encore le temps de votre vie, votre énergie, votre ressource, c'est tout. Donc, quand même, réfléchissez comment il faut construire les relations avec lui. Donc, c'était la troisième carte. Si vous voulez regarder plus précisément qu'est-ce qu'il va faire, quand elle va revenir, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou commander les consultations sur mon site. Donc, quatrième carte, s'il va revenir. Oui, elle va revenir. Elle va revenir, mais elle sera un peu froide au début. Elle peut juste poser des questions par rapport au travail, par rapport quelque chose qui ne concerne pas les relations. Elle peut essayer d'être amie au début avec lui, avec vous. Mais quand même, oui, après, quand même, elle va encore essayer de d'être avec vous dans un couple. Mais quand même aussi attention parce que quand même à ce moment-là, il aura quelques femmes à côté. Et quand il va essayer de revenir vers vous, ce sera encore les relations avec quelqu'un d'autre. Donc ici, quand même, il vaut mieux vérifier et quand même ici faire des conditions, soit avec vous, soit ciao. Parce que s'il va vous dire que oui, tu sais, mais je dois finir les relations ou je dois me divorcer, mais ça va prendre le temps, tu dois attendre. Vous pouvez dire que oui, bien sûr, je vais attendre, mais on peut se voir juste pour un café. Tu vas divorcer après, on peut faire quelque chose de plus intéressant que juste prendre un café. Et pour l'instant, je suis disponible pour d'autres hommes. Je suis libre. Je n'ai pas de bac. Bon, je suis libre. J'espère que ça va accélérer ton divorce. Et comme ça, oui. Mais si vous acceptez ce que, oui, bien sûr, je vais attendre. Quand même, tu peux dormir chez moi. Quand même, je vais te faire le massage. Je vais préparer quelque chose pour toi. Il ne voudrait pas quitter aussi sa femme parce que pour lui, ce sera parfait. Deux femmes en même temps. Pourquoi pas? D'autres femmes aussi. Elle va essayer de garder cet homme. Donc, deux femmes qui se battre pour lui, pourquoi pas. Et donc, ici, c'est mieux quand même garder la distance avant qu'il sera totalement libre. Même si ça va prendre un an, 2 ans, c'est son problème. C'est lui qui a fait ce problème, c'est lui qui doit résoudre. Lui, elle a un nom, il est fort, assez intelligent. S'il n'est pas intelligent, pourquoi vous avez besoin de cet homme? Donc, ici, pensez par rapport à votre vie, par rapport à vous. Vous êtes une belle fleur. Donc, ça peut être cette jardinière qui va venir de vous donner de l'eau et de s'occuper de vous, ou un autre jardinier. Mais quand même, vous êtes une belle fleur. Et belle fleur ne court pas derrière la jardinière. La belle fleur juste profite du soleil, donne sa beauté à tous et juste comme ça, profite. Et ne cours pas derrière comment c'est moi. Donc, ici, quand même, il faut quand même faire des conditions. Donc, c'était le quatrième quart. On va regarder quand, quand même, elle va revenir ici. Oh, ici, ça peut être assez vite. Ici, ce sera assez vite pour vous. Ça peut même quelques jours. Pour quelqu'un, ce sera quelques jours. Pour quelqu'un, 1, 2 mois. Ici, quand même, elle va donner le Noël. Donc, si vous vouliez savoir plus précisément qu'est-ce qui vous attend dans toutes les sphères,
Il y a aussi les tirages où vous pouvez poser 10 questions, oui, 10 questions, et vous pouvez recevoir après les vidéos avec les réponses où je fais le tirage pour vous, personnellement pour vous, et que vous avez l'accès à cette vidéo. Je vous envoie le lien pour accéder à cette vidéo. Et si vous voulez avoir les consultations en ligne où on parle avec vous en vidéo, il y a aussi la possibilité de commander les consultations de 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes avec moi où on regarde votre question, vos problèmes. On regarde comment ce sera développé et on cherche les solutions ensemble. Et quand même, si vous voulez changer votre réalité, si vous n'aimez pas qu'est-ce qui se passe autour de vous, en ce moment-là, vous devez comprendre que c'est que vous qui a créé cette réalité, personne d'autre. Oui, votre âme a choisi de vivre dans votre corps comme il est, dans ce pays au début. Mais après, c'est votre choix de déménager. Si vous n'aimez pas la ville, si vous pensez que... Parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent que non, mais je ne peux pas trouver le travail, je ne peux pas trouver. Non, parce que la ville est trop petite. Où je vais trouver? Moi, j'étais née dans la ville très petite et très pauvre, en Russie, pas loin de Moscou. Et quand j'étais petite, j'ai déjà su que je vais déménager. J'ai déjà su que je vais tout faire pour avoir la vie totalement différente. Qu'est-ce que je fais? J'ai appris 4 langages, j'ai reçu 5 diplômes d'université et j'ai changé déjà plusieurs pays. Et donc, bien sûr que je faisais des efforts pour avoir la vie que je veux et pour avoir un homme que je veux. Donc, c'est juste votre choix et vos efforts et vos programmes. Si vous changez le programme, votre vie sera différente. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.